Effectivement, avec Fabrice, monument musique haïtienne, participer à l'IFA, le festival des Haïtiens, qui fait fêter 25 ans de musique. Donc, comment trouver ça, 25 ans dans le festival des Haïtiens. Nous avons fêté 25 ans, mais on dit que nous venons maintenant notre 23e année. Mais écoute, fait pas un haïtien qui n'est pas fanatique de ces films. Je pense que c'est pas exceptionnel que le fait que tu travailles pour la fête. Pour l'assemblée, tout le monde, tout acteurs. Et vraiment, pour moi-même qui suis fanatique, c'est vraiment. C'est aubaine pour moi, parce que c'est le monde que j'aimerais. Et moi, j'ai des documentaires exceptionnels, des documentaires sur musique, des documentaires sur les peintres que je connais, que je m'avais choqué. Et un documentaire sur Maïsou Sassaïe, sur Marie-Benjamin. Et j'aime pas, ça fait toute série de belles films, des courts-métrages. C'est vraiment une belle aubaine. C'est vraiment, c'est tout un honneur pour moi, pour me faire partie. Accueil exceptionnel. Écoute, on soit arrivé là avec la groupe du festival là, vraiment, accueil Fabienne, Emile, toute équipe du festival là, toute équipe technique là, vraiment, et tout le public là, vraiment exceptionnel. Vraiment, voilà, quand on a dit que l'on peut pas se faire bien. Alors, et au niveau des films, par contre, que ce soit documentaire, certainement, même parce que nous avons vu l'avenir, mais même au même titre que musique là, même parce que Franck pour protection qui fait surtout dans le gros marché pour film haïtien qui c'est Haïti. Parce que le piratage a tué l'industrie, même j'ai vu l'industrie musique là. Mais même parce que haïtien, ça se voit, il y a une capacité de créativité qui n'a pas freiner même le piratage. Ça veut dire que le piratage n'a pas freiner. Et moi, je pense que c'est un bagage extrêmement important que continuation de création, ça fait continuation de que l'artiste, metteur en scène, réalisateur, continue de travailler. Alissa, vous lancez le festival Blanc. À l'intérieur du festival, vous pensez que vous voulez marcher à ce bagage qui est important? Certainement, mais parce que bon, déjà à cause du piratage, sur la création noire, évidemment, donc le fait que vous ouvrez pour monter qui ça que le film festival noir l'a fait, je pense que c'est une bonne façon pour que nous sommes capables d'attirer d'autres publics vers le festival là et attirer le même public ça vers le film haïtien. Donc je pense que c'est une très bonne stratégie et je pense que c'est un bon bagage pour une curiosité que vous pour le festival faire. Par rapport aux questions, ça y a beaucoup peut-être moins. Comment on mariage cafette dans la musique, le cinéma Écoute, moi-même particulièrement, je fais déjà. Et moi, j'ai eu une chance pour me participer sur une bande de plusieurs films. Des documentaires sur Jacques Bell avec Carla Fontaine, même j'ai avec des films, même j'ai appelé, même j'ai avec Cicatrice. Moi, je travaille avec Jean-Gardy Bénin sur deux films déjà et sur Soundtrack. Là. Et c'est vraiment une belle bagaille que monsieur a fait pour nous. Pensez après de la musique authentique haïtienne pour mettre son film haïtien. Parce que j'aime jouer. C'est très bien de faire des films, mais il faut soutenir nos films, 5 ou pas web musical là, on va qui manquait. Donc vraiment, c'est une belle bagaille, même d'encourager l'autre artiste, musicien par exemple, pour le faire. Et en plus, même ouvert pour différents bagages. Justement, à propos de ça, des thèmes musicales, est-ce qu'il y a des critiques? Écoutez, il y a certainement des critiques, mais nous sommes à qui n'a pas de nous sommes un super film, un film très poignant, Soul Sisters, avec un artiste haïtien exceptionnel. De Boston, Mieline, et vraiment un compliment à Mieline d'ailleurs. Moi, parce que, écoute, au niveau technique, nous avons des limites, nous avons certainement des limites au niveau scénario et au niveau montage, même parce que ce sont absolument indispensables pour que nous continuions. Parce que nous n'avons pas qu'à faire tout beau, c'est avec cet projet qu'on nous vient projeter. Merci.